enchaîner maintenant avec le Jo. Jo, c'est le bâton. Il y a le Bo aussi, un bâton beaucoup plus grand, mais la plupart du temps maintenant, les pratiquants Aikidoka se limitent au Jo, hein, puisque c'est plus facile à emporter dans les stages. Ça rentre facilement dans un bus, le métro, dans une malle de voiture, plutôt qu'un Jo, c'est beaucoup plus grand. Taille réglementaire du Jo, c'est 1m28. En fait, c'est presque un manche à balai, mais on vous déconseille de travailler qu'un manche à balai, puisque c'est assez dangereux, étant donné que le bois n'est pas fait pour recevoir des contraintes, et il peut éclater et faire des coupures, des échardes au niveau des mains quand vous prenez un manche à balai. Donc, effectivement, il vaut mieux prendre un Jo, comment dire, Made in Japan, avec un bois bien dense. Alors, bien sûr, peut-être plus lourd, mais bon, c'est vraiment ce qu'il faudrait pour pratiquer. Alors, le Jo, on peut l'utiliser de plusieurs manières, hein, de façon offensive dans les mains de Uke, celui qui attaque. Donc on peut se servir de l'extrémité pour faire des tsuki, hein, des frappes. De cette manière, comme un coup de poing, hein, c'est l'extrémité du bâton qui va toucher. Les coupes, ici, comme Yokomen, hein, qui peuvent être de plus en plus puissantes, intenses. Ici, aussi des Geden Geishi, des frappes horizontales, et toutes ces frappes-là, on va les voir dans le kata qui va suivre tout à l'heure, qui a été sélectionné justement pour en période de confinement, qu'on puisse travailler seul, sans partenaire, à la maison. Une autre façon de travailler avec le Jo, c'est par les saisies. Donc soit c'est Uke qui, encore une fois, qui a l'arme et qui vient vous frapper, que ce soit des tsuki, soit des shomen, peu importe. Et bien sûr, vous esquivez dans un premier temps, hein, donc il vient frapper si vous récupérez le Jo, et vous le projetez au bout du bâton. Ça s'appelle Jodori. Et l'autre façon, c'est Jonage. Jonage, c'est vous qui, dès le départ, vous avez le Jo en main. Il vient solliciter vos extrémités, il vient prendre, vous prendre le Jo. Vous anticipez un petit peu et vous le projetez de plusieurs façons. Ça s'appelle Jonage, donc projection au bout du bâton. Voilà. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est ce fameux kata, qui pour certains s'appelle le kata des 14. D'autres écoles, les kata des 13. C'est des guerres d'école, on ne va pas polémiquer dans ce domaine. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que ce soit l'un ou l'autre. Pour nous, 14 moments forts qui s'enchaînent naturellement. Hein. Le principe, c'est que vous avez un adversaire en face de vous, puis un deuxième qui va se présenter à l'arrière, et vous revenez sur le premier. Hein. Le plus intéressant, le plus important dans cet exercice, c'est la mobilité. Hein, ça mobilise tout le corps. La vigilance, l'attitude, hein, et la maîtrise du Jo, la maîtrise de l'arme, seul, à la maison, hein, bien sûr attention au lustre, aux meubles, hein, écarter tout objet qui pourrait être dangereux. Vous pouvez faire ça dans un jardin, n'importe. Hein, moi, je suis dans une grande salle. Et bien sûr, comme dans tout exercice, que ce soit à deux ou tout seul, l'important, c'est de le faire plusieurs fois. Hein, c'est un peu comme la musique. On ne peut pas être un virtuose tout de suite. Donc, il faut s'entraîner, apprendre les gammes. S'entraîner, faire des erreurs, recommencer, se faire corriger et accepter de se faire corriger et améliorer, donc se perfectionner. Alors, on va commencer tout de suite. Donc on va compter les phases. Donc vers le 6-7, il y a une école qui va en faire qu'un de deux tempo, ce qui fait qu'on passe à 13. Et nous on compte 14. The sun lay so brightly,
up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. Gracias.